Bonjour mes amis, maintenant je suis à ma maison par cause que j'ai frappé la jambe, comme vous pouvez regarder. Mais ce qui est important, c'est que je désire parler sur la mensonge de l'homophobie. Ces paroles qui se changent en paroles plus parlées, plus commentées dans tout le monde. Mon nom s'appelle Valdemir Lescribe. Je vis en Brésil et maintenant, d'aujourd'hui, dans tout moyen de communication, se parle beaucoup de l'homophobie. En vrai, que nous pouvons regarder, comprendre, c'est que le monde est passé par un changement culturel, moral, et nous regarder beaucoup de croissement de la homocratie, la tentative de l'homosexuel dominer le gouvernement du monde et mis sa position sexuelle, sa conduite immorale comme un padron acceptable. C'est impossible considérer un padron de comportement acceptable. Je n'ai parlé que nous devrons frapper, tuer les homosexuels. Non. Mais n'est pas possible accepter comme un conduite morale la personne homme a fait relation avec homme, femme avec femme. Cette chose, c'est une mutation, c'est un comportement naturel. Le patron de la nature, c'est femme avec mâche, homme avec femme. Quelque chose d'erreur de cet patron, c'est antinaturel. De la même manière que né enfant, animaux avec défaits génétiques, de la même manière né personne avec défaits, manque moral. Par exemple, ici en Brésil, les dernières années, tout an, par exemple, en 2012, fut tué plus de 100 policiers en seulement 3 mois, les derniers 3 mois de 2012, dans l'État de São Paulo. C'est une pratique commune maintenant, les criminels, bandits, tués, policiers. En Brésil, quelqu'un, rien de député, pense en faire projet de loi pour changer comme une chose grave, tuer policiers qui sont officiers de l'État qui donnent protection à la société. Mais en Brésil, plusieurs projets de loi furent mis en votation pour faire loi spéciale pour donner protection à homosexuel et changer action criminelle parlée contre homosexuel. Regardez bien cette position mondiale
d'homocratie. Les homosexuels, en tout le monde, ont tenté de dominer le monde. Même en France, l'an de 2012, fut inaugurée, fut créée la première mosquée islam musulman d'homosexuels. Au Brésil, où je vive, beaucoup d'églises déjà sont faites pour membres homosexuels. Il peut se réunir en quelqu'un et religion qui accepte sa pratique, mais jamais doit. Nous devons donner permission que les homosexuels empêchent les églises, les peuples de bien, de parler contre l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une aberration, c'est une mutation, c'est une immoralité, c'est une chose du démon, c'est une pratique antinaturelle, antibiologique. Et nous devons maintenir notre position chrétienne contre la pratique antinaturelle. Homme, c'est femme. Que Dieu bénisse le peuple possédé par des démons qui pratiquent l'homosexualité, qui vient être changé et se délivrer de ses esprits mauvais. C'est notre prière pour tous les homosexuels. Merci.